Dans les sciences du leadership, il y a cette capacité à ne pas abandonner. Ça fait partie des sciences du leadership. Cette capacité d'avoir la bonne psychologie, la bonne attitude. Combien de gens abandonnent à la moindre chute? Et ensuite, ils vont vous dire, non, ça marche pas, non, il n'y a pas d'argent, c'est pas fait pour moi. Non, non, j'étais trop cher, c'est les Chinois. J'ai entendu une fleuriste me dire un jour, si je ne réussis pas, c'est à cause des Chinois dans mon quartier. Et je vous assure que cette fleuriste, elle est juste adorable, je vois son visage, elle était authentique, elle était honnête, elle pensait vraiment ce qu'elle disait. Il va falloir arrêter de vous mentir, c'est votre degré de leadership. Le degré de leadership aussi, c'est faire preuve de créativité. Quand je ne peux pas passer par la porte, je peux peut-être passer sur le côté. J'ai pas d'argent, mais j'ai de la créativité. J'ai pas de l'argent, j'ai des idées. Vous comprenez ce que je veux dire? Faites en sorte aussi de comprendre que le leadership, c'est savoir inspirer les autres, mobiliser les autres, savoir embaucher les bonnes ressources ou recruter les bons partenaires. Tout cela, c'est du leadership. Et j'ai même pas parlé d'argent pour l'instant. Mais beaucoup de gens ont du mal à embaucher des collaborateurs ou à recruter les bons partenaires. C'est du leadership. À ne pas abandonner, c'est du leadership.